Bonsoir, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris, à Penser le présent, qui reçoit ce soir à l'occasion de l'ouverture du festival culturel Un week-end à l'Est, l'écrivain, journaliste, scénariste, réalisateur Emmanuel Carrère, et dialoguera avec Serge Michel, qui est directeur de la publication de la revue Cometa. Serge Michel, qui a été prix Albert Londres en 2001, et moi-même. La semaine prochaine, jeudi 30, il sera question des collections des Beaux-Arts de Paris. Il faut rappeler que nous avons plus de 450 000 œuvres, et de l'artiste performeuse Gina Penn. Mais revenons à ce soir. Alors, petit-fils d'émigrés géorgiens, Emmanuel Carrère mène depuis plusieurs années un travail d'investigation sur son pays d'origine. Il est l'auteur d'une œuvre importante, publiée aux éditions POL. Il vient de publier un texte inédit sur ses origines géorgiennes dans le premier numéro de la revue Cometa. Je remontre la revue. Et un ensemble d'œuvres choisies à la collection Quarto chez Gallimard. Alors, allons-y. Allons-y. Emmanuel Carrère, vos romans écrits au début de votre carrière étaient puissants, mais ce qui est le plus époustouflant et a fait votre succès, à mon sens, dans les œuvres qui ont été publiées après votre dernier roman La classe de neige en 1995, ce sont les mélanges à partir de l'année 2000 que vous avez opérés entre les différents matériaux littéraires. Un composé qui a remis en question les modes d'écriture. Vos récits ont entremêlé la grande histoire, les questions sociétales, le fait divers, votre vie, celle de votre famille, voire de vos amis, dans une forme expérimentale et cependant très incarnée, qui n'a pas utilisé l'écriture blanche ou l'écriture plate, pour citer Annie Ernaux. Vous avez ainsi réalisé une pratique courante dans les arts visuels, mais beaucoup moins en littérature, c'est-à-dire que vous avez mêlé high and low, pour reprendre le titre de la célèbre expo du MoMA à New York en 90, parce qu'ici, on est aux Beaux-Arts, donc on rappelle, on parle des arts visuels. Journaliste, journal intime, récit historique, roman, nouvelle, comment avez-vous pensé vos textes? J'en viens à la question. Est-ce un souhait d'horizontaliser les écritures en mettant tous les modes d'écriture au même niveau? En tout cas, il y a cette idée ou ce constat assez simple que notre conscience agite et mélange des choses très très différentes dont on peut se dire a priori qu'elle relève, même si on écrit des livres, enfin qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre dans un compartiment, dans un livre, d'autres qu'on pourrait mettre dans un autre. Je ne sais pas si on fait un livre sur les débuts du christianisme, on se dit qu'on pourrait peut-être consacrer un livre au père de l'Église, puis un autre à sa vie amoureuse et sexuelle. En même temps, c'est la même personne, quoi, donc le fait que tout ça se mélange me paraît naturel. Ensuite, il y a une espèce de plaisir artisanal à les mélanger, quoi, à faire que tout ça se retrouve. Mais c'est, je ne sais pas, il y a certains des écrivains que j'aime le plus, qui font ça, je veux dire, sans aller se, vous voyez, ça, si, en s'inspirant d'animaux beaucoup plus grands que soi, mais Montaigne, il ne fait pas autre chose, quoi. C'est raconté exactement sur le même plan, ce qu'il pense, des choses qui lui arrivent, des souvenirs, de ce qui est des opinions, des choses comme ça, au fil de... Alors, ce qu'il y a, c'est que Montaigne, il est vraiment complètement, encore une fois, je suis en train de faire une comparaison qui serait... Donc, il a une espèce de façon absolument souveraine et naturelle d'être au fil de la plume. Le genre de choses que je fais, c'est plus agencé, disons, c'est plus... Mais il y a un peu cette idée, au fond, d'être, somme toute, assez simplement fidèle à la pensée et à l'expérience. Quoi. Mais vous aviez conscience de transgresser ou les choses se sont faites naturellement? Il n'y avait pas de volonté politique d'horizontaliser les modes d'écriture? Non, il n'y avait pas du tout de volonté politique. Ça a commencé parce que j'ai mis beaucoup de temps à écrire un livre d'après un fait divers qui était
l'affaire Jean-Claude Roman, l'histoire d'un type qui avait tué toute sa famille après avoir menti pendant 18 ans, ce qui était une histoire à la fois terrible et passionnante, mais que j'avais le plus grand mal à faire, et je ne m'en suis sorti que en, au fond, en la racontant à la première personne, en racontant aussi bien aussi mes difficultés avec cette histoire, ma difficulté à me trouver en place en face de cette histoire, de cet homme, tout ça. Et donc, il en est résulté de façon absolument inattendue pour moi, finalement, une forme que, dans laquelle je me suis... Enfin, que vous voyez que je n'ai pas décidé d'explorer systématiquement, mais en réalité, depuis 25 ans, c'est dans cette espèce de... Maintenant, cette forme hybride. Qui n'est pas du tout théorisée, quoi, qui est celle qui me convient et qui me permet de... En fait, qui me permet de m'intéresser à des choses assez variées, quoi. J'ai l'impression que tout seul, je suis un peu... Si je trouve un objet qui m'intéresse et que j'arrive à me placer en face, c'est comme ça que je peux faire, voilà. Et vous venez de publier dans la revue Cometa, je la remonte parce que c'est une très belle revue, vous devriez tous l'acquérir, sous la direction de Serge Michel, un long papier de plusieurs dizaines de milliers de signes. C'est aussi la particularité de la revue de laisser, ça c'est formidable, ça c'est formidable, se développer dans un paysage éditorial où on formate beaucoup les choses. Donc ce texte, il est intitulé un roman géorgien. J'imagine que c'est un clin d'œil à votre précédent récit, un roman russe. Est-ce que c'est un changement de focale dans les circonstances actuelles en rapport à votre amour pour la Russie et du coup une forme de décalage que vous avez voulu opérer? Alors, pour répondre à ça, je suis un peu forcé de raconter des histoires personnelles et familiales, quoi. Parce que je suis d'origine géorgienne pour un quart. Le père de mon grand-père, que je n'ai pas connu, le père de ma mère, était géorgien. Sa famille a quitté la Géorgie en 1921, quand l'armée rouge a repris le pays, quoi, qui en a connu qu'une très brève période d'indépendance, 3 ans environ. Donc, mon grand-père ainsi que ses frères sont partis, se sont retrouvés en France, ont connu les difficultés de la vie des émigrés avec tous les trucs. Mon grand-père a été chauffeur de taxi, tout ça. Mais il s'est passé quelque chose. Ces deux frères, ils étaient trois frères, il y avait trois frères Zourabichvili. Ces deux frères, au fond, qui se sont d'ailleurs mieux débrouillés que lui dans la société française, dans laquelle ils se sont assez rapidement intégrés, et eux ont épousé des géorgiennes, ont eu des enfants géorgiens avec des prénoms géorgiens, donc parlant géorgien, c'était des gens parfaitement intégrés à la société française, mais qui en même temps vraiment étaient des piliers de la communauté géorgienne à Paris, alors que mon grand-père à moi, le troisième frère, avait épousé une Russe, et au fond c'est assez éloigné de ça, du monde géorgien, pour aller vers un monde qui était plus celui des émigrés russes. Le résultat, c'est qu'alors que mes cousins ont eux grandi, comme des vraiment en parlant le géorgien, tout ça, moi j'ai grandi, je peux pas dire en parlant russe parce que je le parle très mal, mais dans un monde, dans une culture qui était la culture russe. De la Géorgie, je lisais ni ne parlais un mot. Il y avait juste des relations qui étaient très chaleureuses avec les cousins géorgiens. On s'entendait bien. J'adorais aller chez eux quand il y avait des réunions familiales et manger du lobio et tout ça. Mais au fond, ma mère est devenue la spécialiste de la Russie, qui est Hélène Carrère d'Ancos. Voilà, c'était la grande spécialiste de la Russie. Elle ne parlait pas un mot de géorgien. Elle était...
pareil, il y avait purement une espèce d'affection familiale, mais qui ne s'accompagnait d'aucun sentiment d'appartenance à la Géorgie. Et donc, pour moi, moi, je me suis aussi donc beaucoup intéressé à la Russie. J'ai voyagé en Russie. J'ai écrit au moins 2 livres liés à la Russie. J'ai tourné un documentaire en Russie. Et ça n'est que très tardivement, d'ailleurs, en fait, à l'initiative de cette revue et de Léna Mogé présente ici, qui m'a dit, mais c'est quand même fou que tu n'es jamais allé de ta vie en Géorgie. J'ai donc attendu l'âge de 65 ans pour me rendre pour la première fois en Géorgie, qui est pourtant un pays où c'est pas difficile d'aller, quoi. C'est pas loin, c'est un pays notoirement très agréable. Voilà. Donc, voilà, ce récit raconte un peu cette espèce de retour aux sources, ce qui fait évidemment que je serais extrêmement mal placé pour me poser en spécialiste ou en autorité sur la Géorgie. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est une découverte très 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 tardive, mais par ailleurs très très passionnée, ça c'est vrai. Non, c'est très bien, mais c'était un peu le sens de ma question, c'est-à-dire que vous m'avez dit à l'instant que vous n'avez pas fait le test ADN pour savoir si vous étiez un peu viking ou un peu béninois ou je ne sais pas quelles origines. Mais, non, les gens font ça, c'est la mode, mais vous avez quand même ce quart de géorgien, ce quart russe, et puis cette moitié française. Le quart russe, vous l'avez pas mal exploré. Le quart géorgien, ça commence maintenant. Est-ce que, quand vous êtes à Tbilissi, vous vous sentez Emmanuel Karerhadze ou Emmanuel Karerhashvili, voilà. Est-ce qu'on le ressent, ça? Bah, à vrai dire, il n'est pas très difficile de se sentir bienvenu et chez soi à Tbilissi. Enfin, ce qui est une ville et la ville et les gens qu'on rencontre sont quand même extraordinairement accueillants, chaleureux. On se fait vite des amis. Maintenant, par ailleurs, il y a un truc, c'est que l'amour de la Russie qui a été très constant et important dans ma vie. En ce moment, on prend quand même un sacré coup, quoi. Plus difficile d'aimer la Russie que ça n'était le cas auparavant. Parce qu'auparavant, en plus, on pouvait se dire qu'on aimait une Russie qui n'avait rien à voir avec le pouvoir, qu'on aimait alors que là, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans ce pays, mais on a l'impression que ce n'est pas seulement le pouvoir russe qu'on n'aime pas, qu'il y a un truc compliqué, et qui fait que le désir que je pouvais avoir d'aller en Russie est assez sévèrement douché, quoi, actuellement. Et donc, il y a aussi c'est comme s'il y avait cette espèce de deux pôles dans ma famille maternelle, et que tout de suite, j'avais vraiment l'impression d'aller vers le pôle géorgien, avec une espèce de désir d'y retourner souvent, encore une fois, d'autant plus facilement qu'on se crée assez vite des liens. Quoi, vous dites dans le reportage pour Cometa que vous avez hérité, d'une certaine façon, des préjugés de votre mère, donc Hélène Carrère d'Ancos, qui semblait penser que la Géorgie est peu provinciale, archaïque, chauvine, et que la Russie, finalement, était plus noble. Est-ce que vous pensez qu'elle s'est trompée, votre mère? Oui. Oui. Là-dessus, c'est quelque chose qu'elle a hérité de son propre père, qui était lui-même géorgien et qui, d'une certaine manière, qui a épousé une aristocrate russe. Même l'aristocrate russe, elle était complètement pauvre et tout ça. Mais donc, il y a eu une espèce, je dirais, quasiment de snobisme et social et national qui a fait que lui-même, tout géorgien qu'il était, il trouvait que c'était mieux d'être russe. Je pense que ma mère a hérité ça, et moi-même je l'ai hérité. Ça se présente pas de façon aussi nette que ça, mais c'est vrai que ma mère considérait que oui, géorgien c'était sympathique, mais un peu provincial, enfin un peu que la grande culture c'était la culture russe. Et moi-même, c'est ce que je pensais un peu, je dirais inconsciemment, d'une façon même pas réfléchie, même pas formulée. Et donc là, il y a quelque chose qui change. S'il y a, si dans cette guerre atroce
il y a des certains effets collatéraux positifs. C'est sans doute une façon de faire remonter, de faire remettre en lumière des cultures qui étaient des cultures, on peut dire, colonisées. C'est encore plus le cas, c'est le cas aussi en Ukraine, c'est évidemment. Et je pense que je ne sais pas quelles étaient les affinités ou le sentiment de proximité entre Géorgiens et Ukrainiens. Actuellement, il me semble assez étroit, au fond, que d'abord, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais les Géorgiens, ils se disent qu'ils peuvent être les suivants sur la liste, quoi. Que ce qui arrive aux Ukrainiens peuvent le redouter pour eux-mêmes. En fait, dans votre famille, il y a quand même deux femmes extrêmement brillantes. Il y a Salomé Zourabichvili, qui est la présidente de Géorgie, qui a un parcours universitaire, diplomate, extrêmement impressionnant, et qui déteste la Russie de Poutine. Et puis, il y a votre mère, qui est aussi, elle, extrêmement brillante, et qui a aimé la Russie, y compris avec Poutine, avant de prendre peut-être quelques distances depuis le 24 février 2022, pour les derniers mois de sa vie. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre ces deux femmes? Est-ce que ces deux visions créaient quelque chose qui les séparait, qui animait un sentiment de rivalité entre elles? Le caractère très, très aigu de la dernière année et demie, oui. Mais non, par ailleurs, elles s'aimaient beaucoup. Hein. Il y avait un truc. Techniquement, elles étaient cousines, mais comme Salomé Zourabichvili est vraiment de beaucoup la cadette, en fait, alors que techniquement, ça serait presque ma tante en termes de génération, en fait, moi, je la ressens. Pour moi, c'est une cousine, quoi. C'est juste une cousine un peu plus âgée. Mais non, je crois qu'elles s'aimaient vraiment bien, et il y avait... ma mère était toujours assez impressionnée, aimait bien la réussite, quoi. Et donc, Salomé, elle était quand même un peu épatée, quoi, qu'elle soit prise, ce qu'elle a fait quand Salomé, qui jusqu'à présent était, vous dire, une diplomate française absolument dans les clous, dont la famille était très fière, tout ça, le moment où il y a quand même, parce que l'histoire, c'est que donc Salomé Zourabichvili a été nommé comme ambassadeur en Géorgie, je crois en 2004. Donc c'était un poste qui correspondait à sa carrière à ce moment de sa carrière diplomatique. C'était, et simplement il y avait le truc particulier qu'on l'a nommé en connaissance de cause dans un pays qui était son pays d'origine. Et il se trouve que Saakashvili, qui venait d'arriver, a remarqué cette diplomate française au nom géorgien, et il s'est dit, elle connaît, parce qu'elle avait travaillé dans des institutions internationales, aux Nations Unies, tout ça, il s'est dit, tiens, celle-là, elle pourrait m'être utile. Et il lui a proposé, il a voulu la prendre au gouvernement, ce qui est quand même une chose unique dans les annales diplomatiques, un diplomate en poste dans un pays qui entre au gouvernement de ce pays. Donc, Saakashvili est allé demander à Chirac s'il voulait bien prêter Salomé à la Géorgie. Elle est arrivée, elle a été ministre des Affaires étrangères. Elle l'a pas été longtemps parce qu'elle est un peu tombée en disgrâce assez vite, mais elle a quand même eu le temps de faire quelque chose de très impressionnant, même si elle l'a pas fait seule, tout ça, mais c'est que à peine arrivée, elle a négocié avec le ministre des Affaires étrangères russe qui venait d'être nommé en même temps qu'elle, Serge Lavrov, le retrait des troupes russes, des bases russes en Géorgie. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. La fille, elle a quand même quitté, enfin, sa famille a quitté ce pays en presque 90 ans plus tôt, elle y revient pour, évidemment c'est symbolique, mais pour virer les Russes, quoi. Lesquels sont revenus et ont redévoré 20% du territoire de ce pays. Mais cette histoire, ce retour au pays de ma cousine Salomé est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Et c'est une femme
Ensuite, il y a forcément, c'est biaisé, parce que j'ai de la, j'ai à la fois de l'amitié et un vrai respect pour elle. Et donc, elle est nommée ministre des Affaires étrangères après avoir été diplomate. Ensuite, elle est limogée du gouvernement en 2005, sauf erreur. Et puis, elle fait une longue traversée du désert jusqu'à être élue au Parlement géorgien en 2016 et puis présidente en 2018. Et ce choix de ne pas rentrer en France quand elle est limogée du gouvernement, au fond, de rester en Géorgie sans poste, sans appartement, sans rien, est-ce que vous l'avez compris ? Qu'est-ce qu'il a pris pour une femme brillante qui connaît les institutions internationales, qui a travaillé à l'ONU, à l'OTAN aussi ? Enfin, je veux dire, elle a tous les éléments pour juger de sa situation et puis elle choisit de rester sur place dans une position assez difficile. Ouais. Non, mais ça, c'est quelque chose que je respecte énormément. Quoi. C'est-à-dire, au fond, elle pouvait... Après cette espèce de parenthèse de ministérielle en Géorgie, rentrer tranquillement en France, on lui gardait un poste au chaud au Quai d'Orsay. Elle n'a pas fait ça, c'est quand même impressionnant. Et effectivement, elle a eu une très longue traversée. Honnêtement, je n'étais pas très au courant de tout ça. Tout ce qu'on disait, c'était « Ah oui, Salomé, elle est dans l'opposition en Géorgie ». Et ça me paraissait un truc, vous savez, un peu comme le titre du film de Kusturica, « Papa est en voyage d'affaires ». Salomé était dans l'opposition en Géorgie, quoi. J'en savais pas tellement plus à la vérité. Et Serge, ce récit, combien de signes fait-il dans Cométa ? 74 000. Oui, alors moi, je voudrais, avant de te laisser à nouveau la parole, Serge, je voudrais. Il y a une chose qui m'a intrigué parce que le récit est absolument passionnant et c'est une technique qu'on retrouve toujours dans les écrits d'Emmanuel Carrère. Vous allez très vite à vos sujets, on pourrait dire droit au but, pas de métaphores, pas de comparaisons, beaucoup de phrases brèves. Est-ce que cette forme, c'est vous est venue de votre expérience de critique, de journaliste, ou est-ce que c'est une leçon que vous avez retenue après l'écriture un peu plus emphatique de récits comme L'ami du Jaguar ou Bravoure ? Oh, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ça c'est un peu fait comme ça, mais par ailleurs, moi je fais aucune différence entre la façon d'écrire, enfin dans le cadre du journalisme et quand j'écris un livre. Pour moi, c'est, disons, la différence, c'est la longueur, quoi. C'est tout. C'est comme s'il a dit, c'est comme un écrivain de fiction qui écrirait des romans d'un côté et des nouvelles de l'autre. Pour moi, c'est absolument pareil, quoi. Et honnêtement, je mets autant de soins et d'attention et de temps d'ailleurs à faire un très long article comme ça que plusieurs chapitres d'un livre. Oui, parce que là, on a vraiment l'impression que c'est un chapitre qui pourrait très bien être un complément d'un roman russe. C'est des choses qu'on... Quelquefois aussi, il y a des trucs qu'on essaye et qui se retrouveront plus sous des formes, plus ou moins... je ne serais pas étonné que des choses qui sont là-dedans se retrouvent à un moment dans un livre, certainement pas tel quel, parce qu'ensuite, ce n'est pas la même économie, tout ça. Mais là, j'ai l'impression de faire des espèces de galop d'essai, quoi, pour oui. Je reviens à votre cousine présidente. Vous décrivez que son job de présidente n'est pas très enviable, en fait. Elle est dans une grande solitude, elle semble n'avoir quasiment que des ennemis sur place. Est-ce que c'est difficile pour vous de passer la soirée avec elle et puis le lendemain d'entendre des critiques très dures à son sujet ? On dit qu'elle est une géorgienne de pacotille, on dit qu'elle est l'otage d'un gouvernement pro-russe, qu'elle est l'idiote utile de ce système. Est-ce que c'est dur de dormir dans son clic-clac et puis ensuite de... Je pense qu'elle est dans une situation vraiment inconfortable, très inconfortable, qu'elle assume avec courage, mais aussi avec des ambiguïtés. Enfin, ça, c'est certain. Ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours eu et pris la liberté de l'interroger. C'est-à-dire quand des gens, justement, me disaient pique-pendre d'elle sur ce thème-là, sur ce thème, oui, certainement, elle est très peu... certainement qu'elle est sincèrement européenne. Il n'empêche qu'elle est otage d'un gouvernement... qui est pro-russe, pour aller très vite, et pourquoi, et comment est-ce que... Bon, et là, je l'ai toujours interrogée très librement, et elle répond très librement. Elle répond vraiment... Elle est franche, quoi, ça, c'est sûr. C'est ce qui fait que j'ai... Enfin, c'est une des raisons de mon estime pour elle. Hein, cette...
Un des points de crispation, c'est justement l'ancien président Mikhaïl Saakachvili, donc Micha, on l'appelle, qui lui donc l'a embauché dans son gouvernement, ensuite l'a viré, ensuite a fait un deuxième mandat catastrophique, est parti aux États-Unis, en Ukraine, revient, se fait mettre en prison. Et là, le pouvoir, elle n'a pas beaucoup de pouvoir, votre cousine, parce que ses pouvoirs ont été limités dès son élection, mais elle a le pouvoir de le gracier, et elle ne le fait pas. Est-ce qu'elle lui en veut personnellement? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle a peur, en fait, de faire ce geste que pas mal de gens attendent, en fait, en Europe? Alors, je n'ai... Enfin, la réponse, est-ce que... Ça, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Maintenant, dans les... c'est pas faux de lui avoir posé la question. Hein. Saakachvili est rentré en Géorgie de façon à la fois spectaculaire et calamiteuse. C'est-à-dire, voilà, entrer en se figurant plus ou moins qu'on allait l'accueillir triomphalement et qu'il allait... ce qui ne s'est pas passé du tout. À partir de là, il a été en prison et il est certain que la carrière de Saakachvili a été, comme vous le disiez, son premier mandat a été très brillant et très bénéfique quoi, au pays. Et le second a été... je pense que le pouvoir lui montait à la tête, il y a eu la corruption, il y a eu un tas de choses comme ça. Quand on est mis en prison, Saakachvili, une fois qu'il est revenu, il y a des vraies choses à lui reprocher, quoi. C'est pas juste des petites malversations, quoi. Ce qui pose problème, c'est le fait que Saakachvili, en prison, a fait une grève de la faim, son état de santé se dégrade terriblement, et il me semble évident qu'on ne peut pas le garder comme ça. Je trouve tout à fait naturel de dire on ne peut pas le gracier au sens de dire il faudrait certainement le laisser, l'envoyer se faire soigner à l'étranger, quelque chose comme ça. Enfin, parce que sinon, il va mourir dans les prisons, dans une prison ou dans un hôpital en Géorgie, ce qui est absolument catastrophique, et pour l'humanisme, tout ça, et aussi pour l'image de la Géorgie. Ça va être. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que elle n'use pas de ce droit de grâce? Elle dit les Géorgiens ne comprendraient pas parce qu'il y en a énormément qui en veulent à Saakachvili, qui s'était. Je ne sais pas. La question, est-ce qu'il y a une espèce de ligne rouge qu'elle ne peut pas franchir, alors qu'elle est très franche surtout là-dessus, elle a du mal à répondre. Enfin, ce n'est pas qu'elle a du mal à répondre, elle ne répond pas. Vous n'êtes pas très tendre avec les Russes qui sont massivement exilés en Géorgie récemment. Vous écrivez, par exemple, que les Ukrainiens se battent comme des lions, que 3000 ou 4000 Géorgiens sont partis se battre à leur côté, et parce qu'ils sont généreux, courageux, et parce qu'ils se doutent que peut-être, vous l'avez dit à l'instant, la Russie pourrait ensuite envahir la Géorgie si elle gagne en Ukraine, et que les Russes, non. Les Russes, ils se barrent. Leurs grands-pères ont peut-être gagné la Grande Guerre patriotique, au prix de leur vie, sauvé le monde du nazisme. Eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est du yoga et boire des cappuccinos bien au chaud. Vous n'êtes pas tendre. Moi, j'ai été frappé d'un truc. Il y a eu, au moment où j'y étais, à Tbilissi, une manifestation de Russes contre la guerre. Il y a au moins 100 000 Russes à Tbilissi. Ils étaient 300. Je trouve ça atterrant. Je ne sais pas ce que ça raconte, mais... Récemment, j'étais en Ukraine, les Ukrainiens, ils disent la même chose. Ils disent, attendez, même les Russes estimables, tout ça, justement, pas ce qu'on appelle les libéraux russes, ceux qui sont partis, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a peut-être 50 qui viennent se battre avec nous. Il y a une espèce de vague bataillon russe, mais ils sont très, 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 très peu. Ils manifestent pas, ils sont là, enfin disent les Ukrainiens, mais ils n'ont pas totalement tort, ils sont là essentiellement à s'apitoyer sur leur sort, comme si cette guerre, c'était une tuile qui leur arrivait à eux. Non, je comprends. D'ailleurs, cela dit, je trouve que
les Géorgiens, au moins dans un premier temps, ont été d'une patience et d'une tolérance à l'égard des Russes chez eux qui me surprend. C'est-à-dire, c'était dans l'ensemble, les gens, ils étaient plus. Alors que en plus, enfin, je veux dire, c'est pas des détails. Tout de même. Il y a un truc très particulier aussi. Normalement, quand il y a des réfugiés qui arrivent dans un pays, les réfugiés sont plus pauvres que les habitants du pays. Là, c'est l'inverse. Les Russes achètent des appartements, ils font monter les prix de l'immobilier à Tbilissi. Enfin, dans l'ensemble, ils ne se conduisent pas très bien, quoi. Alors peut-être qu'en effet, j'ai une espèce de tropisme anti-russe récent et que je partage avec pas mal de gens, mais disons qu'ils font tout pour entretenir ce tropisme, quoi. Oui, et ce tropisme que vous évoquez, il y a dans votre livre Yoga une blague sur les jumeaux terrieurs. Et vous dites, j'y suis très sensible à cette blague parce que je me prénomme Alain, et donc c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous dites, chaque livre que j'écris... C'est Monsieur et Madame Terrieur ont deux fils, comment ils s'appellent? Ils s'appellent Alain et Alex. Voilà, donc... À l'intérieur, à l'extérieur. Et donc là, comment vous vous sentez donc par rapport à cette Géorgie, plutôt à l'intérieur, à l'extérieur? Je suis à l'extérieur, mais enfin, je suis un peu plus à l'intérieur qu'il y a ne serait-ce que 2 ans. Non, bien sûr, mais disons, bien sûr, je suis complètement à l'extérieur, mais avec une curiosité, une sympathie, un sentiment de proximité qui va croissant. Voilà, c'est tout. Si les Russes de l'intérieur de la Russie sont désespérants parce qu'ils ne bougent pas beaucoup, ceux qui sont partis, les Russes de l'extérieur, sont aussi désespérants parce qu'ils boivent des cappuccinos sans manifester. Pas tous, pas tous. Pas tous, pas tous. Mais c'est pas très positif. Est-ce qu'au fond, votre amour de la Russie, vous dites qu'il est en train de changer, que ça devient compliqué. Est-ce qu'il a changé avec la guerre le 24 février 2022? Est-ce qu'il a aussi changé en... plus encore quand vous les avez vus, enfin que vous êtes allé en Géorgie? Est-ce que la Géorgie vous a influencé votre regard sur la Russie? Non, pas tellement. Non, il y a ce qui s'est pas. Je pense qu'il y a eu des étapes. Hein. Il y a eu. Alors, honnêtement, l'annexion de la Crimée, je peux pas dire que j'ai été très attentif à ça. En revanche. Je me souviens que j'étais allé quand il y a eu les dernières et peut-être les premières vraies manifestations en Russie en 2011, quand il y a eu à l'élection présidentielle où il y avait après le changement de chaise entre Poutine et Medvedev, où Poutine revenait au pouvoir et où tout à coup les gens se sont dit qu'ils étaient bons pour Poutine à vie. Génération après génération, ce qui est exactement ce qui se passe. Mais il y a eu des vraies manifestations de contestation qui étaient avec quelque chose d'assez exaltant. Moi, j'étais en Russie à ce moment-là et j'avais d'ailleurs écrit pour l'Obs, qui s'appelait encore le Nouvel Obs, je crois, un article dans lequel j'avais absolument tout faux, dans lequel je disais, ouais, de toute manière... ces manifestations et tout, c'est celle d'une classe qui est en train de monter et c'est elle qui va arriver au pouvoir. Clairement, Poutine, c'est bientôt fini. Si ça se trouve, il va se retirer pacifiquement parce qu'il est bien... Enfin, bref, erreur sur toute la ligne. Mais ce que j'avais quand même observé en allant en Russie, c'est que quelque chose, à partir de là, c'est énormément vissé, c'est énormément resserré, qu'il y avait auparavant... une certaine liberté, et que là, on sentait que la vis se serrait. Donc, il y a eu des étapes comme ça, dans une espèce de sentiment de... C'est pas tant de désaffection que d'une espèce d'effroi, quoi, devant ce qui se passait dans ce pays que j'aimais, quoi. Je reviens après, il y aura des questions de nouveau sur votre écriture. Juste une dernière question sur la Géorgie. On vous dit que c'est un mindfuck sans pareil. Et vous dites aussi plus loin que c'est aussi un piège sans pareil. Alors, est-ce que c'est la Géorgie, c'est attractif, c'est jouissif ou bien c'est dangereux?
Vous avez senti un danger ? L'expression de mindfuck sans pareil, c'est une expression d'un de mes amis, qui est un très bon cinéaste, Pavel Pavlikovski, et qui adore la Géorgie, à qui je disais, mais c'est la première fois que je vais en Géorgie, pourquoi j'ai attendu si longtemps ? Et qui me disait, tu sais, à nos âges, la vie devient fade, tu as bien fait de te garder ça pour le dessert. Et je trouvais que c'était une très jolie formule. C'était... Moi, j'ai pas éprouvé de sentiment d'effroi ou des choses comme ça. J'ai plutôt éprouvé un sentiment de grande chaleur et familiarité, qui est aussi le fait que j'ai pu avoir la chance de rencontrer des gens. Mais disons, c'est pas très difficile d'avoir cette chance en Géorgie, de rencontrer des gens chaleureux, accueillants. Et puis il y a aussi ce que vous disiez, c'est un petit pays, quoi. On connaît vite beaucoup de gens, on connaît vite beaucoup de lieux. C'est un. Et pourtant, il y a des mystères. Par exemple, ce Ivanishvili, l'homme d'affaires qui possède le pays, qui le dirige en sous-main, etc. C'est quand même assez inquiétant, cet homme dont on ne sait pas très bien qu'est-ce qui le lie, qu'est-ce qui le motive. Pro-russe, bien sûr. Enfin, il y a quand même des choses inquiétantes, non ? Alors, c'est inquiétant et c'est aussi. Il y a quand même quelque chose de mystérieux, que je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qui fait qu'il y aurait, selon des estimations, qu'il y aurait en gros 80% de Géorgiens qui ont envie d'être européens et qu'ils ont néanmoins un gouvernement qui clairement n'a pas envie d'être européen et qui en plus le fait de façon vicieuse, c'est-à-dire en disant mais si, on veut absolument être européen, mais simplement en mettant toujours des bâtons dans les roues, en faisant du sabotage, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a il y a quelque chose que je comprends pas bien. Peut-être que quelqu'un aurait une réponse là ici. L'ambassadeur de Géorgie s'est absenté. S'est absenté. <c'est... rire> Malheureusement. Alain, vous aviez. Vous citez pour ce type de récit. J'imagine que Serge pourrait inviter Florence Aubenas ou Jean Rollin, que vous citez souvent. Qui sont vos compagnons d'écriture, Emmanuel Carrère ? Vous en citez deux. Enfin, qui sont pas des amis proches, mais des amis pour l'un et l'autre, et des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et j'ai l'impression qu'on s'y prend un tout petit peu de la même façon. Quoi. C'est vraiment pas. Vous êtes tombé sur, je sais pas, les deux noms que j'aurais cités, quoi, si vous m'aviez posé la question. Serge, ce sont des gens qui pourraient écrire pour toi. Oui, j'ai eu la chance de travailler pour le journal Le Monde avec Florence Aubenas à l'époque, et donc c'est très intéressant de travailler comme ça, et c'est très intéressant aussi de travailler avec Emmanuel Carrère, bien sûr. Je pense que pour nous journalistes, on est davantage peut-être dans l'actualité que ces auteurs-là. Mais pour moi, le reportage d'Emmanuel en Géorgie, c'est la première fois que je lis un truc qui me prend vraiment sur ce pays, qui est quand même difficile à lire, difficile à comprendre, avec des spécialistes qui sont sur place depuis 20 ans, mais qui ne m'ont jamais porté pareillement. Ben merci, Serge. Et donc, pour revenir à ceux qui vous accompagnent, là, on a cité deux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus proches d'une écriture disons romanesque, classique, ou est-ce que vous avez cessé de lire du roman contemporain aujourd'hui ? Non, moi je lis des romans contemporains. Moi je ne fais plus de romans au sens de fiction, mais c'est pas du tout une position idéologique du genre le roman est mort, un truc comme ça. Moi je suis un lecteur de romans, je veux dire que ce soit, je sais pas, je suis un admirateur de Houellebecq, j'allais dire d'Annie Ernaux, mais c'est pas une romancière non plus, ça fait longtemps. De Pierre Michon, qui a écrit des livres. Non, j'aime des romanciers, oui. Et dans cet écrit, est-ce que la plupart de vos écrits ont une valeur thérapeutique ? Est-ce que cet écrit que vous avez rédigé pour Cometa, je remontre, tu diras oui, pas faire ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas montré la revue, est-ce qu'il avait aussi une valeur thérapeutique ? Thérapeutique, non, parce qu'il n'y a pas quelque chose, enfin, c'est pas comme s'il y avait un abcès à percer ou une chose comme ça. Que ça ait une valeur, je dirais,
un peu intime, avec quelque chose qui est de l'ordre de la... Oui, peut-être psychanalytique, mais bon, je n'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose à soigner, là. C'est quelque chose qui est plutôt... Ou disons, ce qui pouvait être le cas, je m'en étais occupé dans un livre précédent, disons, la figure de mon grand-père géorgien. C'était une figure compliquée, mais pas tellement en tant que géorgien. Et donc, j'avais fait un livre dans lequel il était présent, qui s'appelait « Un roman russe ». Donc, c'était... Et Yoga est un livre qui dit beaucoup de choses de vous. Vous dites que dans cet ouvrage que la méditation est un hochet narcissique. Est-ce que vous pensez aussi que l'écriture est un hochet narcissique? Je définis le hochet, c'est pour les enfants, c'est un jouet d'éveil, mais aussi ça permet de soulager les gencives en cas de douleur. Ah, je n'y aurais pas pensé. Je dirais que c'est une définition un peu réductrice. Donc ça s'applique pour la méditation, mais pas pour l'écriture. Vous qui l'avez écrit dans le yoga. Oui, mais j'ai pas dit que la méditation était un chien narcissique. J'ai pu le dire, mais en disant le contraire, 10 lignes plus tard. Donc c'est toujours un peu comme ça. Est-ce que il est, je regarde 16, donc si on veut passer la parole au public, je crois que c'est maintenant. Tu voulais poser une dernière question, Serge, avant de... Je voulais dire que les questions sur l'écriture sont passionnantes, mais dans le cas d'Emmanuel, il y a aussi un gros travail de terrain, en fait. C'est-à-dire qu'il travaille comme un journaliste, il voit beaucoup de gens dans chaque jour, il se pose des questions, il lit beaucoup. Donc c'est pas qu'un travail d'écriture, c'est aussi un travail de recherche et de terrain, en fait, vraiment. Donc c'est ça qui... Enfin, pour nous, on appelle ça le journalisme littéraire, et je pense que c'est ce qu'on veut faire avec cette revue, mais c'est plus largement une pratique que je pense très importante pour... Ce qui compte, c'est de raconter le réel et le raconter de dans la façon... Dans les arts visuels, il y a ce qu'on appelle des artistes chercheurs. Il y a tout un ensemble d'artistes qui travaillent maintenant sur ce sujet. Est-ce que on pourrait dire, Emmanuel, que vous êtes un écrivain chercheur? J'espère. au sens que vient de définir Serge. J'espère. Merci Emmanuel, merci Serge.